Depuis des années, Jean-Louis et Jonathan ne bougeaient plus. D'intenses douleurs lombaires rendaient chaque mouvement difficile. Mais ils commencent à reprendre goût à l'activité physique. C'est trop bien, je peux en faire pendant des heures. Pendant des années, la seule échappatoire pour Jean-Louis, c'était la musique. La musique m'a beaucoup aidé. C'est le moment en fait où, quelque part en pareillant, on est dans un autre monde où on oublie tout, quoi. Les douleurs, les tracas du quotidien. Et heureusement que j'avais ça. Jouer pour oublier. Un besoin vital qu'il a partagé avec ses amis. Je l'ai vu des fois où on allait répéter le dimanche ou même conduire. C'était pas ça, quoi. Quand on arrivait en répète, on lui mettait sa chaise, on l'asseyait. Moi, je lui portais les guitares. Mais c'est normal, parce que bon, ben, c'est, ça peut être évident à vivre au quotidien. Une fin de journée en douceur pour Jean-Louis. Mais dès le lendemain, le programme intensif de rééducation reprend. Et ce matin, Jean-Louis va pouvoir constater l'ampleur de ses progrès. Bonjour. Bonjour, allez-y, rentrez, installez-vous. Comment ça va aujourd'hui? Bah, super bien. Ouais, génial. Il a rendez-vous avec l'infirmière pour faire le point sur ses douleurs. Là, au niveau des médicaments, vous en êtes où désormais? Je prends plus rien. Plus de traitement antidouleur? Non. Super. La douleur, elle est à zéro ou vous avez retrouvé une douleur de fond? Non, elle est à zéro, la douleur. Elle est même descendue jusqu'à zéro. Oui. Parfait. OK. Donc, plus de traitement du tout. J'ai commencé, en fait, à ne plus prendre de médicaments à partir du moment où j'étais plus à l'aise dans mes mouvements. Vous avez compris désormais qu'en fait, ici, on vous amène à de l'autonomie. Jean-Louis gère mieux la prise de médicaments. Un changement radical dans sa vie. À l'époque, quand j'avais pas mal, je continuais à prendre mes cachets par anticipation de la douleur. Donc, quelque part, j'étais un peu surmédicamenté. Ça faisait longtemps que vous preniez des médicaments comme ça? Ça fait 13 ans. Ouais. Allez. Voilà, respirez bien. Pourquoi il y a cette émotion qui monte? Parce que je suis content. Eh bien, savourez tous les objectifs là, que vous avez atteints. Jean-Louis est bouleversé d'avoir fait autant de progrès en si peu de temps. C'est dans un lieu étonnant que Jean-Louis poursuit sa rééducation. Une salle équipée d'un mur virtuel, un concentré de technologies très rare en France. C'est parti. Jean-Louis commence par une balade en forêt. Vitesse de marche, amplitude des mouvements, tout est analysé afin de proposer les exercices de rééducation les plus adaptés. Donc je vais vous demander, votre jambe gauche s'il vous plaît. Ces capteurs sont un peu comme une manette de jeu. Ils vont faire bouger l'avatar de Jean-Louis. Je vais vous demander de sauter des haies en levant la jambe un peu plus haut. Jean-Louis a une marche asymétrique. Il ne s'appuie pas sur sa jambe droite. Le petit élément que vous voyez ici qui bouge un peu comme un pied, eh bien, c'est littéralement donc, le pied de mon patient que j'ai équipé. L'idée, c'est de retrouver un peu de symétrie et lui montrer qu'il peut quand même avoir cet appui. Ça fait travailler la jambe qui est un peu déficiente et non, c'est plutôt sympa, quoi. Moi, c'est beaucoup plus facile comme ça que sur la réalité. Le chercheur propose des exercices de plus en plus difficiles. L'élément virtuel va quand même permettre aux patients de se projeter dans un monde complètement différent. Et ça va permettre au patient de moins sentir en fait le mouvement qu'il va faire et de peut-être aller chercher des amplitudes et des mouvements qui sont un peu supérieurs à ce qu'il ferait d'habitude. Donc là, effectivement, on fait un peu plus travailler que ce à quoi il s'attendrait. Eh ben bravo! C'est pas évident! Je comprends bien, mais vous y êtes arrivé. C'est pas évident. Ça s'est bien passé quand même. Pendant une heure, sans même s'en apercevoir, Jean-Louis n'a pas arrêté de solliciter ses jambes et ses bras. De son côté, Jonathan récupère aussi physiquement. Il envisage même de retravailler alors qu'il est en arrêt depuis 2 ans. Expliquez-moi un petit peu ce que vous faites. Je suis encadrant paysagiste. Qu'est-ce que vous ne pouvez plus faire aujourd'hui comme tâche physique? Déjà les kilomètres, à pied ou en courant, des fois aussi. Avec la débroussailleuse, il faut aller vite. Jonathan doit donc changer de métier. La lombalgie chronique est la première cause d'invalidité pour les moins de 45 ans. À l'hôpital, la réinsertion professionnelle fait aussi partie du parcours de soins.
La charge mentale que représente le retour à l'emploi, le travail, peut amplifier les douleurs qu'ils ont déjà. Nous, on assure un suivi en fait sur un an après leur période d'hospitalisation et ils ne sont pas lâchés dans la nature tout simplement pour pouvoir affronter cette période d'arrêt maladie qui peut être un peu longue. Alors du coup, par rapport à votre projet professionnel, qu'est-ce que vous avez exploré comme piste ? Je commence à me passionner vraiment à la cybersécurité. Déjà, l'informatique à la base, j'adore. Pour ce nouveau projet professionnel, Jonathan est accompagné pour trouver une formation et des aides financières. C'est bien d'avoir un rendez-vous comme ça et une personne qui est spécialisée pour nous orienter. Je ne m'attendais pas du tout à ça, mais en fait, on est super bien suivis. Jonathan ne s'attarde pas, car Jean-Louis l'attend en ergothérapie. Allez, c'est parti, c'est la dernière là. Donc, vous donnez tout. Cette fois-ci, c'est ensemble qu'ils vont relever un défi. Attention, chrono, il tourne.